Chapitre 5. La maison de Marie. Hey Paul, did you know that France is the country which has won the most number of Nobel Prize in literature? Excellent! With great legends such as Balzac, that's bound to happen. La cheminée, le grenier, le toit, la chambre des enfants, la fenêtre, la salle de bain, la porte d'entrée, la chambre, le plafond, la salle à manger, la cuisine, les escaliers, le salon. C'est ma maison. Elle est grande et belle. Il y a un rez-de-chaussée et deux étages. Au rez-de-chaussée, il y a un salon, une cuisine et une salle à manger. Dans la maison, il y a aussi un escalier. Au premier étage, il y a la chambre de mes parents avec une salle de bain. Ma chambre est au deuxième étage. J'aime ma chambre. Elle est très confortable. Il y a un beau jardin autour de ma maison. Je joue dans le jardin. La cuisine. Le congélateur, le placard, la gazinière, la cocotte minute, l'évier, le robinet, le four, le réfrigérateur. La salle de bain. Le miroir, la serviette, la douche à main, le savon, le shampoing, la brosse à dents, le dentifrice, le lavabo. Le salon. Le rideau, la télévision, la stéréo, le tiroir, la télécommande, le tapis, la table, le canapé, le fauteuil. Salut Cécile, je cherche une maison. Comment est la maison à côté de ta maison? C'est une bonne maison, Denis. Est-ce qu'il y a une télévision? Oui, il y a une télévision, un fauteuil, il y a aussi une grande salle de bain. Super! Je vais acheter la maison. Oui, très bien. Ma ville. La gare, l'hôpital, la pharmacie, la poste, le cinéma, l'église, le supermarché, l'école, le trottoir. Est-ce que... Let us learn how to interrogate about a person or an object using... Esque. Esque is used to ask a question when the reply is in either yes, we, or no, no. Note, esque becomes esque if a sentence is beginning with a vowel. Example. Est-ce que c'est un élève? Oui, c'est un élève. Non, ce n'est pas un élève. Est-ce qu'il a un portable? Oui. Il a un portable. Non, il n'a pas de portable. Let us learn few more irregular verbs. Venir. To come. Singulier. Pluriel. Je viens. Nous venons. Tu viens. Vous venez. Il vient. Ils viennent. Elle vient. Elles viennent. Vouloir. To want. Singulier. Pluriel. Je veux. Nous voulons. Tu veux, vous voulez. Il veut, ils veulent. Elle veut, elles veulent. Pouvoir, to be able to. Singulier, pluriel. Je peux, nous pouvons. Tu peux, vous pouvez. Il peut, ils peuvent. Elle peut, elles peuvent. Les articles contractés. The contracted articles are formed by combining the prepositions a, to, and the, of, or from, with the definite articles le, la, le, le. Let us see the formation with both the preposition along with their examples. With the preposition a plus definite article, contracted article, used before, example a plus le, o.
masculine singular nouns. Je vais au jardin. À plus la, à la. Feminine singular nouns. Elle va à la cantine. À plus et l'apostrophe. Al. Any singular noun beginning with a vowel or silent ash. Il va à l'école. Il va à l'hôpital. A plus les. O. Any plural noun. Tu parles aux femmes. With the preposition de. De plus definite article, contracted article, used before, example. De plus le. Du. Masculine singular nouns. Les livres du garçon. De plus la, de la. Feminine singular nouns. Les pièces de la maison. De plus l' apostrophe. Del. Any singular noun beginning with a vowel or silent ash. La fille de l'oncle. La femme de l'hôpital. De plus les, des. Any plural noun. Les stylos des étudiants. Observez. Il vient du Canada. C'est le livre de l'étudiant. Vous parlez des saisons. Retenez bien. Les articles contractés. A. O. À la. À l'apostrophe. O. De. Du. De la. De l'apostrophe. D. Exemple. Tu parles à Hélène. Il va à Léon. Je parle à mon père. Exemple. C'est l'ami d'Hélène. C'est la chambre de mes parents. Elle vient de Delhi. Les verbes ont T-I-R. In T-I-R ending verbs, we cancel T-I-R from the verb and add S, S, T, T, T-O-N-S, T-A-Z, T-O-N-T. Partir. To leave. Singulier. Je pars. Tu pars. Il part. Elle part. Pluriel. Nous partons. Vous partez. Ils partent. Elles partent. Few verbs conjugated as partir are sortir, to go out, sentir, to smell, to feel, consentir, to consent, mentir, to lie. Note, in front of a proper noun and the possessive adjectives, we use prepositions a and. Le vocabulaire. Français, anglais. Aléa. To go. La baignoire. Bathtub. La brosse à dents. Toothbrush. La cheminée. Chimney. Le canapé. Sofa. Couch. La cuisine. Kitchen. La campagne. Countryside. Donner à. To give to. Le dentifrice. Toothpaste. La douche. Shower. L'évier. Sink. Les escaliers. Stairs. L'église. Church. L'étage. Floor. Envoyer à. To send to. La fenêtre. Window. Le four. Oven. Le fauteuil. Armchair. Le grenier. Attic. Le garage. Garage. La gazinière. Gas stove. Il y a. There is. Le journal. Newspaper. Le lavabo. Wash basin. La mousse. Foam or lather. Le miroir. Mirror. Le plafond. Floor. La porte d'entrée. Entrance gate. Le placard. Cupboard. Le peigne. Comb. La poubelle. Dustbin.
Penser à. To think about. Parler de. To talk about or talk of. Le rez-de-chaussée. Ground floor. Le rideau. Curtain. Le robinet. Tap. Le réfrigérateur. Refrigerator. Rentrer de. To return from. La salle de bain. Bathroom. La salle à manger. Dining room. Le salon. Living room. Le savon. Soap. Le shampoing. Shampoo. La serviette. Towel. La stéréo. Stereo. Le toit. Roof. Le tiroir. Drawer. Le tapis. Carpet. Téléphoner à. To call. Venir de. To come from.